3. Tendu. Ouais, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part en flat tube. On est quoi, début novembre. Enfin, les poissons commencent à se réveiller. On commence à faire des poissons. On n'a pas tout le temps la GoPro sur nous, etc. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris la GoPro. On a bien l'intention de faire du fifiche. Et puis, on est parti. On va foutre les flottes à l'eau. Et puis, on va commencer à attaquer les choses sérieuses parce que là, ça ne va pas. Un temps de merde. Pour changer. Puis on verra bien. On verra bien. Il est remonté ? Un petit peu, ouais. Là, commence à remonter. Yes, Alexis ! Il est en qui, Alexis ? C'est hallucinant la sensibilité. De ça, ça m'a pris. Putain, attends, je mets au leurre souple. Je me mettrai au verre plus tard. Ouais, la sensibilité, là. Tu prends tous les poissons à la descente. Hein ? Attends, je vais essayer avec ça. Je vais essayer avec ça, moi. Mais je plume un peu léger là. Moi, je suis en 14 grammes. Je suis en 4 grammes. C'est là, tu avec cette presse, tu. Tu redécouvres la pêche. Non, surtout la canne. Je sens qu'elle est vraiment sensible. Ouais, voilà. C'est aussi ça. Tu exploites ta canne au maximum aussi. Voilà. Parce que t'as beau avoir une canne super, si t'as une tresse de merde, tu peux pas voir si elle est bien ou pas. Ouais, c'est bien. Bon, on va s'amuser. Bon, on va les trouver. Poisson. Jolie perche. Jolie petite perche. Là, là. Ouais, ouais, t'as vu comment j'animais ? Bah, vous verrez à la GoPro, vous. Bam, bam. Bam, bam. Les grosses animations bien amples. Allez, lâche-moi ça. Regardez. Un gros finesse. Une belle petite perchette. Oh, je suis pas à la verticale, hein. Je lance et je laisse couler au fond. Tac, tac. Tac, tac. J'anime bien fort, juste au-dessus du fond. Quasiment posé au fond. Et boum. Elle a pris. Tu vois, on laisse vraiment couler au fond. Fil tendu pour si on prend une touche à la descente. Quelques petites animations à la descente. C'est toujours intéressant de pêcher la couche en descendant. Voilà, j'arrive au fond. Et des bonnes petites amplitudes, en fait, mon leurre il va tac, tac, il va saccader complètement. Et en saccadant, il fait des reflets, il fait des petites vibrations. Ah, loupé. Pris un carton. Ah, loupé. Ah. Elles sont énervées. Ah, mais c'est touche que je te prends. Oh, bien Alexis. Black Minnow. Black Minnow. Elle est pas la vilaine encore, hein. Ah, une belle perchette, hein. Mais ça marche à tout là. On les défonce. On face à mort. Black Minnow, ouais, voilà. Hop. Empêche, on recherche pas trop les petites là non plus. Hein. Black Minnow, Alexis. T'es vraiment collé sur le fond. Hein. On va se croiser par contre. Ouais. Ah, je prends une tape. Ouais. Bien, Alexis. Et tu vas nous exploser tous nos Black Minnow là. Ah, ces conneries là.
Encore une jolie petite. Ah mais une bonne grosse là, ça ferait plaisir. Faut avouer que ça ferait plaisir. Et en fait, les brocs, ils étaient vachement actifs la dernière fois. Là, c'est les pires. Oh. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli ça. Perche. Ça ressemble à de la perche, ouais. Ah, des crochets. Oh, ah non. Non. Elle était grosse. Elle était grosse, ouais. Elle était grosse. Non, chier. Un bon 40, ça c'est clair. Un 40 bien à l'aise. Là, il y a moyen que ce soit une tanche, quoi. Ça commentait bizarre, ça. Mais l'amplitude, elle était. Ouais, c'était gros. Putain, décroché. J'aurais dû pomper plus dessus. C'est profond, quoi. 13 mètres. Ouais. Oh, il faut pomper. On dérive violemment. Ouais, on a les parapluies aussi, c'est vrai. Oh putain! Oh la cartouche! Ouais, il est au bout. Ouais, il est au bout. Ouais, ouais, il est au bout. Il est pas vilain, l'enculé! Il peut pas mettre, toi? Non, il est pas mettre. Décroché. Non, il est encore. Ouf, il est lourd. Tu veux putain, faut que je fasse le frein. Décroché. Putain de merde. J'arrive pas à gérer le frein. J'ai besoin du 80. Ah oui. Oh ouais, ouais, 80 il y était. 80 il y était. Enfoiré. T'as vu la perchasse quand même? Putain. Et il a mis une touche, ça a fait bouf, la canne. Putain, 80 il était. Mais je crois même pas qu'il était piqué, il combattait bizarre, tu sais. Genre il venait et genre il l'avait dans la gueule, mais il était pas piqué bien. Tu sais, je sentais pas sur le fil. Je le sentais, tu vois, lourd. Non, je pense pas qu'il était piqué. Il a juste lâché à la fin là. Mais ça nous faisait plein de fois ça. Il le garde en bouche, il le lâche pas, il le lâche pas. Ouais, mais attends, la canne elle partait à l'eau là. J'allais pas attendre 160 ans hein, non plus. Hein. Putain, bah ouais, voilà. Je pense qu'il faisait au moins 75. Ouh, ça par contre, c'était une touche. Allez, il est au bout, allez, vas-y. Allez, prends bien. Regarde comment je se fait défoncer. Il a lâché. Ah, il l'a lâché. Enfoiré, il l'a lâché. Ah, il a repris. Il prend. Putain, allez, prends-le bien. C'est un petit, ça, je suis sûr. Ah, oh, tu vois les touches, là? Il le prend pas bien. Ouais, c'est un pince. Putain, merde. Je suis accroché là. J'ai quelques petits soucis là. Pas de soucis. Ouais, qui prend pas. Bon, lui, on l'aura après. C'est bon, ça c'est décroché. Ça sent la grosse perche. C'est une grosse perche. C'est une grosse perche. Brochet. Brochet. Oh non. Non. Petit coup de tête à deux à l'heure, bam. Non. Pas mal. Avec ses deux waders. Bon ben voilà, matinée sympa, prometteuse, et puis après-midi, enfin début, fin de matinée et début d'après-midi, bah rien, nul. Vraiment impossible de toucher des poissons, tandis qu'au début on partait vraiment très très bien. On est le matin, hier on a pêché, je sais pas si c'était une vidéo précédente ou la même vidéo,
Mais en tout cas, on est le dimanche matin et on va essayer de tuer du poisson. Hier, c'était très prometteur au début, donc on s'est dit qu'on venait plus tôt. On va voir ce que ça donne. On s'est dit, on n'allume pas l'éco-sondeur. On fait le barrage à gratter, la moindre perche, on la met en bourriche, sans éco-sondeur, pour éviter de leur faire peur. On va essayer d'optimiser au maximum. Essayer de voir si c'est nous qui avons arrêté l'activité ou si l'activité s'était arrêtée tout seul. Yes, Alexis. Yes, yes, yes. C'est joli ? Yes. Il y a des chances, ouais. Ouais, broc. Joli petit bec, hein ? Il va te couper ou c'est bon ? Bon, s'ils sont actifs au leurre, c'est déjà ça. T'as mis une belle sacoche ? Ah, c'est cool, ça ! C'est cool, c'est cool. Ok, photo. Bon, c'est bon, il était dans l'eau et tout. Je fais quoi, 60, 65. Ça qui est bon, bah yes, Alexis. Allez, faut en faire 15 autres comme ça, Alexis. Hein. Objectif, c'est 15 autres. Hein. Pas 2-3. Hein. Mais en tout cas, c'était bien sympa avec Tarka. Et puis, on a passé un bon moment au bord de l'eau. Bon, allez, moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine.